ne comprend même pas ce qui se passe. Le mec met quand même du cœur à l'ouvrage, il est consciencieux dans son travail et il est récompensé par un vulgaire front contre front avec un objet inanimé au fond du court de tennis. Tout s'est passé si vite. Certains diront il n'a même pas eu le temps de mettre les mains. Mais il n'a même pas eu le temps de se préoccuper de savoir ce qui se passait. Donc va voir l'information de foutre les mains. En fait, moi, je suis quand même assez choqué parce que je ne sais pas si je vais réussir à vous expliquer ça. Rien ne présageait que la situation parte en couille comme ça. C'était la paix totale. Il n'y avait même pas un truc par terre pour qu'on se dise « Ah, attention, il peut trébucher. » Non. D'un moment à l'autre, le mec s'est retrouvé encastré dans le truc. Je suis tenté de dire manifestation divine, mais c'est pas possible. On peut réellement être en contradiction avec son corps à ce point. Est-ce que ton corps peut vraiment avoir son propre avis sur les choses au point que sur une simple action comme marcher, aller se... Ils te disent non, tu sais quoi, merde, bouf. C'est quand même cette absence totale de sollicitude envers soi-même. C'est-à-dire que les gars ne vérifient même pas s'il saigne, s'il machin, s'il a mal ou... Non, le but est de se replacer au plus vite. Dissonance cognitive, hein. Le choc a dû niquer l'oreille interne qui lui fait croire qu'il est couché et en PLS même. En sécurité. Avec un choc comme ça, tu rentres chez toi, tu vois ton père, tu lui dis « Monsieur, sortez de chez moi ». Peut-on être si stoïque après s'être mangé un pareil coup? Comment c'est possible que le gars n'était pas là? Le gars n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à l'instant. Par contre, je pense qu'après un pareil choc, tout ce qui est olfactif, c'est foutu. C'est-à-dire que quelqu'un peut chier dans un bol à 2 mètres. Là, tu es en parfaite harmonie avec ton entourage. Tu n'en as rien à foutre. Mystère règne. Je ne comprends pas comment ce type a pu se retrouver dans cette situation.